Bienvenue donc sur eh bien la vidéo où je fais avec ce que j'ai dans mes fonds de placard. Donc là c'est la troisième qui va sortir. Donc il me reste du master. Alors je n'ai pas regardé la date, j'espère qu'il n'est pas passé de date. Sinon, ça va être un peu plus fort. Donc, non, sans rire. Donc, effectivement, il me reste du master. J'ai de la ciboulette. Alors, c'est de la ciboulette que j'ai ramassée il y a un petit moment. Elle est toute sèche. Mais ça n'empêche qu'avec ça, eh bien, je vais la mettre dans une tarte au master. Je crois qu'il doit me rester un fond de crème fraîche. Donc, ça va être ça. Ça va être une tarte... au master avec de la ciboulette. Il me reste aussi des poires du jardin, donc elles ont hyper bien descendu. Donc la tarte aux poires, j'en ai encore pas mangé un seul morceau, c'est mon compagnon qui l'a mangé et il arrivait à saturation. Donc il m'a laissé un bout, donc je vais être obligée de la finir. Donc du coup ça sera ça, donc la tarte au maroilles, enfin au master tout du moins, avec la crème fraîche, la ciboulette et une salade eh bien, de fruits aux poires, tout simplement. Bon, alors, je vais faire ma pâte à tarte. Je vais la faire au pif, voyez-vous. J'ai la flemme de tout. Bon, combien je vais en mettre de cuillères à soupe? Là, il y en a 3. Allez, je vais en mettre 4, ça sera bien. Hop. Au pire, allez, je prendrai mon grand moule. Donc, je vais mettre 4 comme ça. Je vais mettre un œuf également. Voilà, le œuf. Hop, allez, vas-y, roule ma poule. Hop, la coquille, je garde. Et qu'est-ce qui me reste? Est-ce que j'ai encore un petit peu de beurre? Bonne question. Je vais aller farfouiller à ça. Alors, il me reste... Ouais, il me reste du beurre. Hein, il me reste ça. Hein, c'est pas mal. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais en mettre? Allez. Je vais en mettre un... Oh, je sais pas, ça équivaut à 30-40 grammes, ça, hein. Hop, allez. Allez, hop, on met tout. Allez, ça, ce sera bon. Je vais venir ensuite eh bien, écraser tout ça. Youpi, je ne suis pas forcément fan de mettre mes doigts là-dedans. Mais voilà. Donc, je tartouille ma pâte à tarte pour bien amalgamer tout ça. Et on se reprend juste après. Bon, voilà, ça y est, j'ai fait la tarte. Et là, voici le restant de crème fraîche et le restant de master. Donc, je vais mettre tout ça, eh bien, à l'intérieur de ceci. J'allais oublier la fameuse ciboulette. Toute défraîchie, on croirait moi. Hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vais garnir ça. Hop. En plus, ça tombe bien. Aujourd'hui, eh bien, il y a du soleil. Donc, j'ai bien fait... Oh, j'ai cliffé partout. J'ai bien fait de faire cette tarte. Voilà. Donc, ça va durer quelques jours, hein, parce que, bon... J'espère qu'il ne va pas me la refourguer. Bon, j'ai pas fait de tarte au bleu. Comment je l'ai eu à loose-dé? Non, mais... On mange les... Comment? Les choux farcis de la cantine, alors qu'on n'aime pas ça, puis on mange pas mes trucs. Hein? On mange pas mes tomates farcies. Non, mais oh. Ah, il a perdu une occasion de se taire, le grand-père, hein, je vous jure. Et puis alors, moi, c'est pas tombé dans les oreilles d'une sourde, hein, puis j'oublie pas, moi, ça. Hein. Je vous ressors ça pendant 20 ans après. Sauf si, eh bien, je deviens sénile. Sauf ce qui ne serait tardé, évidemment. Alors, il y en a qui vivent, ils vieillissent bien, puis d'autres, ils vieillissent moins bien, voyez-vous. Et moi, je suis de la seconde catégorie, je vieillis moins bien.
Bon, alors, ben maintenant, hop, du Munster. Ouais, c'est ça, c'est du Munster. C'est pas une tarte fou, mais oh là là, ça sera déjà bon. Je sais pas si j'aurais dû mettre des œufs dedans. Oh, j'aurais peut-être dû mélanger la graisse en crème avec des œufs. J'ai encore des œufs de mes cocottes. Oh mince, bah tant pis, hein, ça restera comme ça. Oh là 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 là. C'est de l'impro, hein. C'est pas je ne sais quoi. Hein. Philippe, et je te bêche. Si tu me regardes, hein. Je suis sûre que tu adorais mon plat. La fille. N'importe quoi, n'importe quoi. Ouh là là, c'est de plus en plus grand les petits bouts là. Ouh. C'était tout petit au début, puis après ça grandit. Bon, continuons, continuons. Ah là là. Est-ce que je peux arriver à faire des fois les choses sérieusement? Je me le demande. Bref. Ah, je vais tout claquer là-dedans. Ça va s'écouler normalement. Attendez. Parce que je ne voudrais pas tout mettre. Hein. Faudrait peut-être que j'en garde pour faire autre chose. Hein, les temps sont durs. Hein. Sinon, je vais devoir eh bien m'inviter au palais. Voyez-vous. Avec des cuistots qu'on paye hors de prix. Et pouvoir manger du homard bleu. Hein, sur le dos du contribuable. Alors là, j'ai fini de mettre le master. Et je vais mettre ma magnifique ciboulette toute sèche, et bien au-dessus. Et je colle de la crème un peu partout. Hop là! Allez, on lui coupe les cheveux. On lui coupe la tête! Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. La reine de cœur. Bref. Elle avait des solutions radicales hein, au problème. Hein. Alors, combien je vais en mettre? Je sais pas s'il aime bien trop la ciboulette. Hein. Moi, je charge le mulet, mais... La vidéo, je vous jure. Bref, bref. Bon, ben, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac, regardez-moi ça de toute beauté. Tiens, il en manque un petit peu ici. Hop, c'est tout beau, c'est tout simple et c'est tout bon. Et maintenant, ben, je fous ça au four. Pendant ce temps, eh bien, je vais m'atteler à l'épluchage des poires pour faire une salade de fruits aux poires. Il doit me rester une pomme qui traîne, mais je ne vais pas la mettre parce que eh bien, monsieur est allergique aux pommes. Donc, il mange des poires. Donc, ce sont des poires conférences gratuites de mon potager. Allez, c'est parti, Mortimer. Alors, l'inconvénient, enfin, l'inconvénient, oui. Et non, enfin ça dépend. C'est qu'en fait, j'ai récolté mes poires pour qu'elles mûrissent à l'intérieur. Parce que je voulais pas risquer d'en perdre plus. Parce qu'il y avait quand même encore des attaques de guêpes. Mais le problème, c'est que ben, elles mûrissent toutes ben, en même temps. Donc du coup, c'est poire sur poire sur poire. Ça, c'est comme les tomates. C'est pareil. Donc, ouais, j'ai fait des compotes, une tarte aux poires. Là, ça va être des poires... je pourrais... Ah, non, j'ai pas de vin. J'allais dire, je pourrais faire des poires pochées, mais non. J'ai pas de vin. Voilà. Va falloir que... que j'aille dans le vignoble choper du vin. Enfin, choper du raisin, puis faire mon vin. Non, c'est pas vrai. Ah. J'en suis pas encore à ce stade. Hop. Vous voyez hein, comment je suis super gentille et super aimante. Voilà, je pré-épluche les poires pour sa royale majesté. Il n'aura plus qu'à les mâcher, voyez-vous. Ah là là. Une gargouille comme moi n'en refait pas deux. Hein. Alors remarquez, il faut mieux pas. Bon. Allez. Hop, je ne sais que c'est pas le tout, mais... Il faut que j'épluche tout ça. Ah, celle-là, elle est un petit peu moins mûre. Et je parle, et je parle. Oh là là. Profitez-en, parce que... Hein, ça me coûte, moi, de parler, si vous saviez. Ça me fatigue.
Je vais en faire que deux, ce sera bien. Les autres, ben, je vais les remettre dans le garage. Faisais-la celle-là. Hop. Alors, j'ai un restant de citron. Je vais badigeonner de citron pour éviter que ça ne noircisse. Et voilà, le citron. Hop là. Tac. Zoupi zouk. Alors, je ne sais pas ce qu'ils mettent sur leur citron, mais je les ai depuis un petit moment. Je ne vous dis pas. J'avais acheté ça pour l'anniversaire du lapin. Ah bon? Comment vous dire? Enfin, comment? Je ne sais pas quoi vous dire, plutôt. Hein? Moi, je suis sûre que je cultiverais des citrons. Ils ne dureraient pas aussi longtemps. Franchement. Il faut qu'ils me donnent la recette, hein? De ce qu'ils mettent dessus pour que je puisse, eh bien, peut-être en manger, quoique indirectement on en mange. Mais ça n'a pas le même effet sur nous. Bon, je vais mettre ça, le couvercle. Et mettre ça au frais, eh bien, ce sera pour ce soir.